Ah, bonjour. C'est dur, hein. On m'a dit, tu vas voir, quand tu auras un enfant. On s'est levé à 3h, on s'est levé à 5h. Enfin, elle m'a réveillé. J'ai entendu manger une banane à côté comme ça. Non, j'ai perdu ma banane. J'ai perdu ma banane. Ouais, tu as perdu ta banane, mais une minute après, tu manges ta banane comme ça. Bon, après, même temps, hier, je me suis couché tôt, j'étais fatigué. Donc voilà, elle zone, elle traîne avec son téléphone. T'en as pas marre, vous n'avez pas marre. On peut communiquer un petit peu. Arrête de dire n'importe quoi. Ouais. Tu mens, arrête. Tu dors pas? Je bosse, bébé. Mais il est 6 heures. Et alors? C'est le meilleur moment pour bosser, ma poule. Il m'a aidé à chercher ma banane. Finalement, on l'a pas trouvée. Du coup, je suis allée en chercher une autre dans le frigo. Et finalement, en m'allongeant, elle était à mes pieds. Du coup, il y en a une banane. D'ailleurs, passe-moi-là, je vais la manger. Tiens. Attends. Tiens. Non, ça, c'est ma bouteille. Donc voilà, du coup, insomnie. Je sais pas si je vais arriver à dormir. Allez, ça se mange, arrête de dire orc. Allez, mais elle mais ça se mange, bébé. Elle est éclatée, tu la mets où? Elle était à mes pieds. Ah, ouais. Je l'ai écrasée. Le gros chien. Arrête. Ma mère me cherche pas. Arrête. En ce moment, elle est irritable. Je peux pas manger ma banane tranquille. Mais qu'est-ce que tu veux? Arrête! Pourquoi tu me cherches de bon matin? Mais tu sais que ce matin, tu as mangé la banane exactement comme ça, je t'ai rien dit. Mais t'es un putain de mytho! Jamais je mange comme un tracteur. Et tout le monde le sait que tu manges la bouche ouverte, tu fais tarpin de bruit, frère. Dis la vérité. Je te promets que... Tu réveilles les morts quand tu manges. Tu sais qu'une banane, même si tu manges la bouche fermée, tu fais du bruit. Ce matin, tu étais mi-ouverte, mi-fermée ta bouche. Quand tu fermes la bouche, tu fais du bruit, mais t'en fais moins que si tu l'ouvres. Voilà. Essaye de la fermer. Voilà. Ce matin, c'est comme ça. Il y a une différence entre faire ça et faire... Ce matin, c'est comme ça. Ça dort plus, là. Ça y est. Ça y est, on attaque la journée. Bon petit café. Let's go. J'explique les chiens, en fait, papa il est en train de faire un petit masque. Voilà. Vous pouvez pas connaître, vous êtes trop poilu pour ça. Ouais. 3, 4, miam miam, 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 miam miam.
Allez, oh, c'est Cracotte qui fait un mètre qui saute, vous arrivez pas? Allez, miam miam. Allez, oui, plus que toi, Crac. Allez, biscotte. Allez, biscotte. Tu vas jamais sauter, viens, mon fils. Viens, descends, maman. Allez, descends, maman, descends. Allez, allez, miam miam. Oh putain, vous êtes déjà là-bas, vous? Trop beau, vous êtes. Allez. Cool, c'est cool, ça. Hein? Sacré vie, hein? Oh, la chance de miam miam de bon matin, comme ça. Papa. Fin des pieds, j'ai retrouvé vos saucisses au poulet. Papa. Allez. Biscotte. Non, biscotte. Biscotte. Non, biscotte. Biscotte. Ok. Cracotte. Allez, chope là. Allez. Cracotte, allez. Allez. Bon, voilà, brioche. Non, partez pas. Voilà. Et cracotte. Allez, prends. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est... Du coup, là, je vais faire 2-3 petits magasins. Je voulais me racheter une trousse de toilette avant de partir en vacances. Je voulais... voilà. Je voulais racheter 2-3 petites conneries. Et cet après-midi, je rentre et je repars pas très longtemps après parce que ce soir, on va au match OM-PSG. Voilà, je suis trop contente. En plus, je vais avec Pauline, donc je suis encore plus contente. Et d'ailleurs, je vais aussi faire les magasins avec Pauline. Donc voilà. Il y a ma petite cracotte qui est là. Hein? Elle fait que me coller, cette petite cracotte. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous fais des bisous. Et j'espère que ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage. J'espère que ça va aller. Parce que il fait super froid en ce moment. Ceux qui travaillent dehors et tout, franchement, bon courage. Et voilà, bonne journée. Allez, j'en veux plus. Oh, il est pas mal là ce dégât. Allez, envoie la gomme, hein, gros. Envoie tout. Ouais, il y a des forts. Kebab boule. Hihi, kebab boule. Kebab boule, regardez ce kebab. Kebab boule. Trop beau, tiens. Non, toi, tu es beau. Sous kebab. J'ai pris mon chargeur, je me suis habillé. Voilà, on va aller commencer à aller voir les copains devant le stade dès maintenant parce que je vous explique. Si on arrive trop tard, c'est pas bon. Ça va être le bordel sur la route. Allez-y tôt et bon match. Montrer tes dents à maman? Montre un peu. Comment elle devient une grande fille, cette petite fille avec ses sourcils. Oh, les sourcils! Regardez comme elle est belle. Oh! Oh non! Oh non! Cette bouille, je te bouffe! Trop bon vous êtes. Non, on n'est pas dans ce...
Mais je pense que là, il va être dans ton état d'esprit parce qu'il vient de perdre. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu en brailles pas? En braille. Voilà deux. La deuxième, là, en braille. Bengouz. Hey! Utiliser les mêmes ingrédients et ça a réussi. Alors effectivement, à chaque fois sur les...